Dominique. Chut, attends. Allô? Ouais, Alexis, c'est toi? Qui veux-tu que ce soit? Ouais, excuse-moi, j'entendais mal. Ça aurait pu être Daphné. Ah, Daphné? Ouais, bien sûr. Elle est... elle est allée chercher son pull à l'autre bout de la maison, là. Bon, tu vas bien? T'es dehors, là? Oui, ben là, je suis en train de prendre l'air dans le jardin avant d'aller me coucher. Bon, fais attention, prends pas froid. T'as un pull sur toi? Et celle que je la connais, elle va m'en apporter un deuxième. Bon, bah, elle s'occupe bien de toi, alors. Ah, bah tiens, justement, je te laisse, elle m'appelle. T'as entendu? Ah, c'est quoi, ça? Enfin, comment on pourrait vendre ça? C'est pas possible, franchement. Bah, Léna, ferme la bouche, tu vas baver sur ton t-shirt. Quoi? Non, mais... Tu trouves pas qu'il est beau? Ouais, il est pas mal pour un extraterrestre. Tu sais qu'on s'est embrassés hier? Deux fois. Waouh! Mais vous êtes ensemble alors? Bah, je sais pas trop, c'est un peu compliqué en fait. D'accord, je comprends. Toi et Raphaël. Je sais pourquoi tu voulais nous aider pour le vide-grenier. Oh, t'es mignonne. Ça me rappelle il y a longtemps, au début de ma vie sentimentale. Bon, si tu veux être avec lui, tu dois lui montrer. Saute-lui dessus, caresse-lui les abdos. Les mecs adorent qu'on les adore. Mais non, il faut y aller doucement, ou rien faire, à mon avis. Non, moi je pense que... Il n'y a pas de règles. Et Raphaël, c'est plutôt le genre de mec à pas brusquer. Siècle. C'est fini les princesses qui attendent leur prince là dans leur lit à baldaquin. Aujourd'hui, si tu veux un mec, faut lui sauter dessus avant qu'il réfléchisse trop. Essaie plutôt de tâter le terrain. Non mais attendez, mettez-vous d'accord là, c'est n'importe quoi. Vous m'embrouillez la tête. Qui tu préfères croire? Daphné, l'indécise qui devrait être en train d'occuper le terrain d'Alexis à l'heure qu'il est? Sharon, qui n'a expérimenté que des Anglais? Ou ta bonne copine Cynthia, agrégée en testostérone et sciences de l'homme? Eh, ça va très bien avec Alexis. C'est pas parce qu'il a quitté l'île hier que je dois le harceler. Les Anglais sont très excentriques. Les mecs, c'est des êtres binaires. Ils sont pas plus compliqués que des organismes monocellulaires ou des sacs à main. C'est la femme qui doit choisir le sac à main, pas le contraire. Et quand t'as fait ton choix, si tu veux qu'ils comprennent, tu dois envoyer des signes. Faut pas hésiter à en faire trop. Observe le maître. Louis? Je me suis cogné la cuisse, je crois. Tu veux pas venir voir? Tu crois que tu pourrais me masser? C'est bon. C'est fou ce que ça fait du bien. Tu sais y faire, toi? Et voilà! C'est pas plus compliqué. À toi de jouer avec Raph. Non, mais avec toi... Plus je me sens libre et moins j'ai envie de partir. Je suis bien. Mais avec Cynthia, je me sens très gêné, là, tout le temps. Elle m'appelait au moins 10 fois par jour et tous ses textos tous les quarts d'heure. Ouais, je t'aime. Rassure-toi. Le seul que j'appelle 10 fois par jour, c'est mon frère. Ouais, bah, si tu veux mon avis, tu le harcèles légèrement. Alors fous-lui la paix et donne-moi du feu. Le grand baroudeur sait pas faire du feu? Si, bien sûr. C'est ma grand-mère qui me l'a appris quand j'étais petit. Mais pas loin d'ici, d'ailleurs. Bah, tant mieux, parce qu'un homme qui fait du feu, je trouve ça très excitant. Super carafe. Le vintage. C'est très à la mode. Ouais, et bah, ma mère, elle appelait ça la carafe pissenlit. Je détestais ce nom.
Allez, Ah non, t'es bon. Quoi? On peut en tirer 10, donne. Oh, oh, oh. Alors ça, c'était mon chapeau de cow-boy. Hein. J'ai traversé le Grand Canyon avec. J'ai tué des coyotes à main nue comme ça. Là. 40 euros. On va dire 4. Ton chapeau, il a dû subir une chasse aux coyotes de trop. Bonjour. Waouh, il y a de l'électricité dans l'air. Oh, elle est mignonne, ta tirelire, Léna, tu la vends combien? Non, non, c'est pas à vendre, ça. C'est ma tante qui me l'a donné. Souvenir de l'époque où j'étais un gentil garçon. Pas un mauvais garçon. Bah écoute, c'est bien, garde-la, hein, si ça te rappelle, j'étais avant. Bah tu vois, tu peux avoir un peu de caractère quand tu veux. Par contre, c'est jamais au bon moment. Décidément, t'en aurais des choses à m'apprendre. Pourquoi, c'est une proposition? Allô? Il est où, Axi? Bah, pourquoi t'appelles pas vos parents? Pourquoi tu veux que j'appelle mes parents? Aux dernières nouvelles, Alexis, il est avec toi? Mais là, je suis partie, en fait, pour aller acheter des croissants. Et je reviens à la villa dans 10 minutes. Écoute, j'ai essayé d'appeler sur son beeper. Sur son portable, il n'y en a aucun qui passe. Ça répond pas. Écoute, je comprends pas. Pourquoi il me répond pas? Non mais t'imagines s'il y a une grève possible? Et que l'hôpital essaie d'appeler? Éléonore, je t'entends pas, je te rappelle. Je vais chez Alexis. Toi, tu continues de penser encore à ton frère. C'est Daphné. Je l'ai pas senti au téléphone. Non, mais faut pas que tu t'inquiètes pour ça. Moi, perso, j'ai une confiance totale à Daphné. Ton frère, il a beau être malade, c'est un grand garçon. Il sait s'occuper de lui, non? Mais je crois que tu réalises pas du tout ce qu'il vit. J'aurais jamais dû le laisser tout seul, même une nuit. C'est trop. Je suis qu'une sale égoïste. Imagine, il lui arrive quelque chose. Et toi, qui s'occupe de toi? Tes parents? Ils sont où, tes parents? Mais c'est vrai, ça devrait être eux de s'occuper de vous, non? Non, mais ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont beaucoup de travail. Ils me l'ont confié. De toute façon, tu peux pas comprendre, je suis sa grande sœur. Je suis responsable de lui en penser tout. Mais tu peux pas toujours être là. Je sais, mais je peux pas m'empêcher de m'en vouloir. Et merde. Bonjour, ça marche toujours. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien qu'il n'y a pas plus nocif pour toi. Tu m'as dit que c'était un week-end avec tes parents et tes deux portables sont éteints. À quoi tu joues? Alors d'abord, tu vas remballer tes fantasmes morbides, Daphné, et ensuite tu vas apprendre à me faire confiance. Non mais attends, regarde, tu m'as menti. Mes parents ont annulé leur week-end, mes deux portables ont été téléchargés. Et putain, ils clopent dans la neige, j'ai le droit, non? Je suis pas mort. Je suis complètement paumée, tu m'aides pas là. La confiance, ça se construit pas comme ça. Tout va bien, je t'assure. Tu déjeunes ici? Appelle Éléonore d'abord. Tu peux me faire souffrir, mais pas elle.
Non, non. Encore prise en flagrant délit. T'aurais déjà dû attaquer cette heure-ci, non? J'ai réfléchi et je crois que c'est pas une bonne idée finalement. Non, mais parce que tu vois, hier c'était super bien, mais je me dis que s'il avait aimé, bah il reviendrait vers moi. À moins qu'il se dise aussi que si tu voulais lui, tu ferais un signe et qu'il déprime en attendant que tu lui sautes dessus. Ouais, enfin, là, il a pas vraiment l'air de déprimer. Non, fais confiance à ton instinct. Si hier t'as senti qu'il se passait quelque chose de spécial, si c'est vraiment ce que tu crois, ben, il l'a senti lui aussi. Et du coup, t'as plus qu'à foncer. T'es sûre? Mais bien sûr. Maintenant, si tu veux tâter le terrain, tu peux toujours envoyer quelqu'un se renseigner discrètement. Bon, moi, il me dira rien, mais Sharon peut-être. Ah non, pas Sharon, je veux que ça reste discret. Bon, ok, discrétion. Non, madame, ce n'est pas cher. Bon alors, quand il te met de la crème, t'as plus qu'à tirer sur la ficelle et le maillot s'enlève. J'enlève carrément le haut. On n'est plus en cours de récré. Faut que t'assures. Ouais, mais j'ai pas envie de le mettre mal à l'aise non plus. Fais-moi confiance. Avec Mathéo, c'était difficile, mais j'ai fini par l'avoir. Ouais, puis il est parti. Oui, bah justement. J'ai l'expérience d'une relation du début à la fin. Et puis, un couple, c'est du boulot, hein. Moi aussi, j'aurais aimé qu'on me conseille. Bon, je vais proposer à Raph de reprendre le stand pendant sa pause. Non, mais à partir de quand t'as su que t'étais amoureuse? Ça, on s'en rend compte toujours trop tard. C'est pour ça qu'il faut être au taquet. Ok? Prête? Tu te baignes pas? Non. Je prends un peu le soleil avant. Au soleil, t'es aussi belle qu'un tournesol. Merci. Mais un tournesol, ça n'a pas besoin de mettre de la crème. Tu m'en mets? Je voulais dire pour... Louis et Sharon? Louis et Sharon? Il y a un problème avec eux, c'est pour ça que tu me parles pas depuis ce matin? Ils arrivent. On a vendu plein de choses. Sens-tu, hein? À vous d'aller sur le stand. On dérange peut-être? Non, non, pas du tout, j'ai juste oublié mes lunettes de soleil. Elles sont sur ta tête. Tu te rends compte s'il y avait eu un donneur? Je comprends pas que tu puisses jouer avec ta vie comme ça. Ta chance, tu l'auras, j'en suis sûre, mais t'en auras pas 36. Ok, excuse-moi. On va pas tarder à savoir si l'hôpital a appelé. Tu sais qui c'est? Bon, bah j'y vais. Je te donnerai tout ce dont tu as envie. Tu as vu Raphaël maintenant, sûr?
Bah, voilà déjà qu'ils comprennent que je l'aime bien. C'était ça le striptease. J'aurais dû empêcher Louis de venir vers la piscine. Ouais, enfin, c'est Cynthia qui devait empêcher de venir. Parce que c'est elle qui m'a conseillé d'enlever le haut. Cynthia, tu es folle de l'écouter. Ouais, mais tu sais, elle aussi, c'est mon amie. T'es jalouse? Mais non, pas du tout. C'est ça, c'est ce que tu crois? Non, mais enfin, c'est juste qu'à force de te parler de lui tout le temps, je me suis dit que ça allait te saouler. Puis, je voulais pas te faire de la peine. T'as trouvé ça où? Ça, c'est Melville qui a ramené cette tirelire au vide-grenier ce matin. Et puis je lui ai dit comme ça qu'elle me plaisait et voilà, je crois que c'est lui qui me l'a apportée. Et bizarre, hein? Daphné, je t'ai menti. Je devais pas rejoindre mes parents. Mais toi aussi, tu mens. Et c'est bien pire. Moi, je te mens. Chez toi, à propos de toi et Melville, il m'a tout raconté. Je sais même que vous êtes embrassés. Non mais... Et c'est toi qui me parles de confiance, franchement! Si je t'ai rien dit, c'est parce qu'il n'y a rien à dire. Oui, Melville m'a embrassé, mais je l'ai repoussé. Voilà, c'est tout. Mais arrête, tu lui plais, il te plaît. Je vous vois tous les deux a posteriori, tout devient logique. Alors ok, tu restes avec moi. C'est juste par pitié. Arrête. On laisse pas tomber quelqu'un qui va crever. Oui, bon alors déjà, tu vas pas crever. Et si je reste avec toi, c'est parce que tu me plais. Alors oui, Melville me drague et oui, je le trouve très beau. Mais c'est rien comparé à toi. Et j'aimerais bien que tu me fasses un peu plus confiance. Parce que je suis en train de tomber complètement amoureuse de toi. On a quand même bien vendu, hein. Il a été fait pour toi, celui-ci. Et je te l'offre. Rav, je voulais te parler. C'est grave? Non, enfin, c'est à propos d'hier, avec ta mère. Un problème avec Josie? Décidément, je suis vraiment trop nulle. Quoi? Non, rien. Merci pour le chapeau. Non mais, attends Léna, je voulais te dire qu'hier c'était une super journée. J'adore quand tu souris. Vois toutes tes dents là. Je suis heureux. Moi aussi. C'est la première fois que je me sens avec toi. Vraiment avec toi. Ça revient entre nous. Tu l'as trouvé où? Je l'avais oublié sur la table du resto. Je commence à lâcher prise.
cause de la maladie de mon frère, mes ex-copains sont jamais restés très longtemps. Je les mettais toujours au second plan. Même quand je faisais un effort pour pas penser à Alexis en permanence, je finissais toujours par en avoir marre et partir. Remarque, je les comprends. Parce que j'y arrive pas. À quoi? T'arrives pas à être avec moi? Non. Toi, t'es incroyable. T'es beau, t'es intelligent, intentionné. Mais je peux pas rester avec toi à m'amuser alors que la vie est mieux. Je suis maladroite, elle m'a échappé des mains.